Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Enfin, je vais recommencer à faire des vlogs j'espère régulièrement. Ce vlog, ce sera un peu le vlog genre de pré-rentrée, genre préparation de la rentrée, mais aussi profiter de cette dernière semaine d'été. Dans une semaine, presque tout pile, je repars chez moi dans mon appart étudiant, donc je vais profiter de ma maison à la campagne pendant que j'ai encore le temps. Mais je dois aussi préparer la rentrée, je suis en train de lire mes livres de cours. En ce moment, je lis Clélie, histoire romaine de Madame de Scudéry, qui est vraiment hyper agréable à lire. En vrai, je l'aime vraiment beaucoup, mais il faut que je lise plus parce que je suis en retard. J'étais en train de monter une vidéo ce matin, j'y ai passé à peu près une heure et demie, et puis à la fin, j'ai arrêté, puis je l'ai supprimée parce que elle était vraiment mais trop nulle. C'était un haul de mon anniversaire et de papeterie, etc. Et genre, c'est la première fois de ma vie. Normalement, quand je poste pas une vidéo que j'ai filmée, c'est soit parce que j'ai la flemme de la monter, soit parce que je la monte trop tard et que du coup ben le moment est passé. Mais c'est la première fois de ma vie que je mets pas une vidéo parce que je la trouve beaucoup trop nulle. Mais genre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Pourquoi c'était un tel désastre? Genre, c'était trop nul. Bref, du coup je la ferai juste pas et puis je vais... Tant pis, hein, c'est la vie. Enfin bref, je suis trop contente de recommencer les vlogs, de reprendre les vlogs. Mais voilà, du coup, nous sommes le 2 septembre et c'est une nouvelle semaine qui commence puisqu'on est lundi. Et aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que je dois aller porter des livres à la boîte à livres de mon village. J'ai remarqué il y a quelques mois qu'il y avait une boîte à livres dans mon village, genre j'étais trop heureuse. En plus, j'ai déjà trouvé des trucs trop cool. Bref, hier j'ai fait une foire à tout. J'ai vendu quelques trucs, mais évidemment il me reste encore plein de trucs sur les bras, donc je vais en mettre quelques-uns dans la boîte à livres. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez cool et que je pense qui pourraient faire plaisir à des gens si je les mets dans la boîte à livres. Après, je pense que je vais juste essayer de lire un max, et si je me fais pas emporter par Netflix et My First Love, qui est un drama que je regarde en ce moment, qui est trop cool. Et je vais maintenant arrêter de parler et vous laisser. Enfin! Bon, c'est pas comme si j'allais lire tout de suite en même temps, mais je l'attendais quand même. Oh là là, il est beau! C'est donc Tunnel of Ghosts de Victoria Schwab, le tome 2 de City of Ghosts. Et les marque-pages de Book Depository, mais ils sont vraiment de plus en plus beaux, c'est dingue! Bref, voilà. Sinon, petite news, on est le 5 septembre, on est jeudi. Il faut que je prépare toutes mes affaires pour retourner dans mon appart étudiant, parce que je n'ai encore rien fait. Merci Lou! J'ai encore rien préparé, je suis tellement en retard, il faut vraiment que je me bouge. Et puis, le plan aussi, c'est que j'aimerais me couper les cheveux et me faire une petite coloration. C'est encore une coloration pas permanente, hein, parce que j'ai trop peur de faire des colorations permanentes, mais j'en ai acheté une, Colorista de L'Oréal, parce que j'en avais acheté une pour les imaginales et j'avais, genre, c'était facile, simple, ce qui veut dire exactement la même chose. C'était simple, efficace et peu cher. Et ça a tenu assez longtemps et c'est ce que je veux, donc voilà, j'ai acheté cette fois en turquoise, donc voilà. Bonjour, on
mercredi 6 septembre et demain je repars chez moi et on pourra dire officiellement que l'année scolaire va commencer puisque ma rentrée ce sera mardi. Regardez-moi ce bazar là, c'est toutes mes affaires mais genre le truc, il y a même pas tout là mais genre j'habite déjà chez moi, il y a déjà toutes mes affaires chez moi, mon appart étudiant et j'ai l'impression de déménager quand même alors qu'il y a encore normalement toutes mes affaires. Bref, oh, vous avez vu mes cheveux, waouh, je suis trop fière de moi. J'ai réussi à finir le montage d'un vlog que je dois poster bientôt, mais avant il faut que je poste ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, du coup je vais essayer de la monter au plus vite et je pourrai la poster comme ça très rapidement. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le monter entièrement parce que j'ai tellement d'affaires à préparer encore, genre... ah, j'ai toujours pas avancé d'une seule page dans mon livre de cours, mais je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. J'ai jamais été aussi peu organisée de ma vie, c'est n'importe quoi. On est le dimanche 8 septembre et c'est aujourd'hui la fin de ce vlog et c'est aussi aujourd'hui que je commence à être enfin productive. Le mot du jour c'est vraiment productivité, il faut que je fasse des trucs utiles. J'ai commencé, déjà je me suis levée tôt donc je suis hyper fière de moi, je me suis levée à 8. Ce qui est cool c'est que hier j'ai à peu près tout rangé donc j'ai presque plus rien à ranger. Aujourd'hui je veux filmer une vidéo, sûrement sur mes fournitures pour la rentrée ou un truc comme ça. Je veux monter une vidéo. Faire la miniature de cette vidéo, la poster pour mercredi, monter le début de ce vlog et le mettre, en fait le monter le plus possible. Il faut aussi que j'avance énormément dans mon livre de cours parce que là, vraiment, il faut que j'avance dedans. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal et il faut vraiment que j'avance dans mon livre. J'aimerais bien lire genre entre 50 et 100 pages. 100 pages, ça serait bien, ça serait vraiment bien. Mais en tout cas, le but c'est d'être hyper productive. Oh, il faudrait que je poste une photo sur Instagram aussi, je vais rajouter ça à ma petite to-do list. J'ai découvert une extension Google Chrome, enfin en gros, c'est genre le truc hyper connu que tout le monde utilise, mais je n'arrivais pas à trouver le nom. C'est genre, forcément, je sais plus comment ça s'appelle. Je retrouverai le nom, je vous le mettrai quelque part à l'écran. En tout cas, c'est carrément bien, genre ça met l'heure, good morning. Après, on met un focus pour le jour, genre... une ligne de conduite pour le jour et à droite on peut mettre une to-do list et genre comme c'est sur Google à chaque fois que tu ouvres un nouvel onglet bah ça te met ça donc c'est trop cool. Il est 18h44 et je vais finir le vlog ici. J'ai bien avancé dans mon livre de cours. J'ai dépassé la moitié. Légèrement, mais je l'ai quand même dépassé donc je suis quand même contente. J'espère du coup que ce vlog vous aura plu. J'ai rien d'autre beaucoup à dire. Je continue de faire des vlogs. La semaine prochaine, j'en ferai un et j'espère que je vais en faire quasiment toutes les semaines. En tout cas, quand j'ai des semaines où il se passe pas rien du tout. En tout cas, je vous dis du coup à bientôt dans le prochain vlog avec peut-être plus de lecture. Et à bientôt. Bye.